Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente mon test du Google Pixel 3. Alors, je vous le dis très honnêtement, ça a été un test qui a été compliqué à monter. Parce que le Pixel 3, c'est un des smartphones que j'ai eu ces derniers temps qui me laisse un avis mitigé. Il y a des choses excellentes, il y a des points faibles et surtout, il y a des manques pour un téléphone à ce prix-là et je trouve ça très dommage. Pour faire simple, je ne vais pas aller dans les caractéristiques techniques. Vous avez notre vidéo ici de présentation des Pixel 3 quand on était à l'événement Google, mais je vais vraiment vous parler de mon expérience au quotidien. La première chose sur un smartphone, c'est le design. Alors, le Pixel 3 et le XL ont un design un peu dans le passé sur la face avant. Donc, il y a beaucoup trop de contours. On le voit ici, les contours en haut et en bas, on est sur des choses qu'on est habitué dans les téléphones du passé. Aujourd'hui, on arrive sur du borderless. C'est un peu dommage, même si ça s'explique un petit peu par le double capteur selfie à l'avant, mais surtout par des haut-parleurs stéréo. Les Pixel 3 ont un excellent son. C'est une chose importante en fonction de votre utilisation. Toujours au niveau design, sur la partie arrière, je suis simplement fan. J'aimais pas trop sur les photos et quand on l'a en main, c'est vraiment différent. Donc la texture qu'ils ont appliquée sur le verre, sur le bas, je la trouve excellente. Elle est très bien pour la prise en main. Attention par contre sur les modèles noirs, vous avez des micro-rayures qui se font très rapidement. Vous pouvez les nettoyer, il y a une technique avec une brosse à dents, je vous invite à chercher sur YouTube. Mais il faudra souvent mettre une case sur les modèles noirs. Sur le modèle blanc, j'ai eu aucun souci de rayures, il n'y a rien qui est apparent et vraiment la texture au quotidien est vraiment très bonne quoi. Franchement, c'est une réussite. Et en plus, ce format un peu plus petit que ce que j'ai l'habitude ces derniers temps, eh ben moi, il me convient, on ne le sent pas trop dans la poche et c'est vraiment un excellent format. Si Google avait pu gagner un peu de place sur l'écran, ça aurait pu être bien, bien mieux. J'ai fait le choix au tout début du test entre le Pixel 3 et le Pixel 3 XL au quotidien. J'ai choisi le 3 justement parce que ce format est plus compact et j'ai voulu l'utiliser, même si j'ai mis ma carte SIM professionnelle dans le Pixel 3 XL pour l'utiliser, mais c'était surtout pour des appels et des SMS. Donc vraiment, ce test, c'est avant tout sur le Pixel 3. Il y a très peu de différence entre les deux modèles. L'écran est bien sûr plus grand sur le Pixel 3 XL, la batterie est plus grosse, mais comme l'écran est plus grand, on se retrouve à peu près avec la même autonomie, donc c'est pas vraiment un point différenciant. Je vous parlais de mon choix entre les deux modèles. C'est un défaut que je trouve aujourd'hui dans les smartphones à ce prix-là. Il n'y a pas de double SIM. Il y avait une double SIM dans le Pixel 2 XL. Il n'y en a pas dans le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. C'est vraiment dommage. Apparemment, il y a de la eSIM, mais en France, je n'ai pas trouvé le réglage. Ce n'est pas encore activé. De toute façon, les opérateurs pour les smartphones, même si c'est sur l'Apple Watch par exemple, ne le supportent pas pour l'instant pour le grand public, mais ça va certainement venir. C'est en tout cas un petit point faible, cette absence de double SIM. Pas de port jack non plus. Bon, ça maintenant, on a l'habitude. Par contre, Google livre dans la boîte un dongle USB-C vers jack, donc c'est une bonne chose. Ils livrent des écouteurs USB-C. J'ai vu peu de gens en parler, ils sont excellents. Ils sont livrés dans la boîte et le son est très très bon. Il y a un petit système d'attache pour que ça rentre parfaitement dans votre oreille. Et franchement, je pense que c'est les écouteurs filaires que j'ai testés ces derniers temps qui sont les meilleurs dans les écouteurs qui ont été livrés avec des téléphones, bien sûr. Bien sûr, le nécessaire pour la recharge rapide est livré avec un câble USB-C vers USB-C. Deuxième point super important dans le choix d'un smartphone, c'est l'autonomie. Et bien, l'autonomie des Pixel 3 et Pixel 3 XL, elle est pas dingue. Vous tiendrez la journée. J'ai des temps d'écran de plus de 4 heures souvent. Mais vers 21h, 22h, le téléphone n'aura plus que 15-10% de batterie. C'est bien moins que ce que j'ai pu voir ces derniers temps sur le OnePlus 6T ou le Mate 20 Pro. C'est assez équivalent en fait avec ce que j'ai eu sur l'iPhone XS pour la même utilisation. Mais il y a un produit que j'ai utilisé au quotidien depuis ces 15 jours et qui en fait enlève immédiatement ce problème, c'est le Pixel Stand. C'est le chargeur sans fil de Google. L'idée est super bonne. Donc en fait, l'idée, c'est que ça ne se contente pas de faire de la recharge rapide sans fil, ce qui est déjà bien. C'est qu'en plus, ça vous permet d'utiliser votre smartphone en tant que cadre photo. Donc ça, c'est gadget, mais ça peut plaire à certains. Et surtout, d'intégrer Google Assistant avec un écran. Mais surtout, dans mon utilisation au quotidien, en fait, je l'ai au travail. Et quand j'arrive au travail, je pose le Pixel 3 sur le Pixel Stand et j'ai plus aucun souci d'autonomie. Bien sûr, il faut vouloir dépenser 79€ de plus. C'est un produit excellent. Je l'utilise aussi avec l'iPhone XS, avec le Mate 20 Pro. Et en fait, c'est peut-être le meilleur chargeur sans fil qui existe aujourd'hui. Cependant, certaines fonctionnalités comme Google Assistant quand on pose le téléphone sont dédiées uniquement au Pixel 3 et au Pixel 3 XL. Troisième point important, l'OS. Sur Android, très sincèrement,
Là, on a Android Stock avec Android Pie 9.0. C'est la meilleure expérience que j'ai eue sur Android, un tout petit peu en retrait de ce que j'ai vu avec le OnePlus 6T. Mais on est à des années-lumière, des surcouches que peuvent avoir Xiaomi ou Huawei. Et c'est franchement excellent d'utiliser un téléphone comme ça. On est proche de ce que fait Apple avec iOS, avec un système vraiment pensé. Et en fait, dans ce Pixel, tout est simple. Tout est bien pensé, on ne se noie pas dans des milliers de réglages et c'est vraiment, vraiment la meilleure expérience que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui sur Android. Si je dois le comparer à iOS, c'est compliqué de comparer les deux OS parce qu'iOS est excellent aussi, mais il y a un manque que je vois aujourd'hui sur iOS, sur l'iPhone, c'est le multiscreen. En fait, je me rends compte, plus j'utilise Android, plus j'utilise le multiscreen et être en train de regarder une vidéo YouTube et être en train de scroller sur Twitter, c'est quelque chose que je fais énormément et ça serait vraiment bien que ça arrive dans les nouvelles versions d'iOS sur le mobile. En parlant de Twitter, si vous voulez me poser des questions sur le test, sur tous les tests que je fais d'ailleurs, vous avez les commentaires en dessous de la vidéo, les commentaires sur Presse Citron, mais aussi mon compte Twitter, je le mets dans la description. N'hésitez pas à venir me poser les questions. Le prochain test aura le Mate 20 Pro, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant, dernier point important, ce qui a aussi le prix, on en parlera à la fin, c'est l'appareil photo. Moi, je suis un gros fan de tech, j'aurais pas des sites tech, je ferais pas des vidéos YouTube si c'était pas le cas. Et sur les Pixel 2 et Pixel 2 XL, le capteur, tous les reviewers américains, ce qui n'était pas sorti en France, je le rappelle, disaient que c'était de loin le meilleur capteur photo du marché. Pas vraiment le meilleur capteur, pardon, il donnait les meilleurs clichés parce que tout le traitement est fait au niveau logiciel. Et ben, depuis que j'ai ce Pixel 3 en main, c'est juste incroyable. Ce que j'aime bien dans cet appareil, c'est déjà le suivi du focus. Donc vous appuyez sur le sujet ou l'objet que vous voulez suivre et l'appareil va garder le focus dessus. Ça donne tout de suite confiance pour prendre l'appareil. Ensuite, le mode portrait est excellent, que ce soit en selfie ou en caméra arrière. Et vous pouvez jouer après sur le flou ou pas. Le mode nuit, il est tout simplement dingue. Donc la technique, c'est comme sur le P20 Pro. Vous appuyez sur le bouton de déclenchement et vous le tenez assez fixe pendant quelques secondes. Il va prendre plusieurs clichés, jouer avec les contrastes, avec les lumières, etc. et vous sortir un cliché qui est réussi à 99% du temps. C'est assez impressionnant. En fait, avec ce téléphone, vous n'avez jamais la peur de rater une photo, que ce soit en pleine journée, que ce soit en selfie, que ce soit en mode portrait, que ce soit en mode nuit. Tout marche très bien. J'ai dû rater peut-être deux photos depuis que je l'ai fait parce que j'avais trop bougé. Et en fait, j'ai jamais vu ça sur un téléphone. Le traitement logiciel qu'il y a Google derrière, c'est incroyable. J'ai vu des petits tests de l'iPhone XR. Ils ont l'air de rattraper un peu leur retard au niveau d'Apple. Mais là, avec un simple capteur, on a des clichés vraiment impressionnants. Et c'est un point tellement fort que si c'est un photophone que vous cherchez, je vous conseille vraiment ce Pixel 3, même si le prix est trop élevé. Vous avez vraiment des clichés dingues. Je les mettrai dans le test. Vous les voyez là en surincrustation dans la vidéo. C'est juste fou. Le mode nuit est fou. Mais ce qu'on peut faire en basse lumière est dingue. Il y a un rendu des couleurs qui est dingue. En fait, il est dingue. Je dis dingue, mais c'est juste fou. Je voyais plein de testeurs dire que c'était dingue. Maintenant que je l'ai dans les mains, le Pixel 3 pour moi est le meilleur photophone du marché. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Dernier point très très important, c'est peut-être le plus important dans le choix d'un smartphone. Vous choisissez souvent votre téléphone par rapport à un budget et le Pixel 3 commence à 859 €, le Pixel 3 XL à 100 € de plus. C'est trop cher. Clairement, aujourd'hui, je trouve ça trop cher. Il y a plein de manques. Il n'y a pas le déverrouillage avec la reconnaissance du visage. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes sous l'écran. Il n'y a que 4 Go de RAM. Sur les specs purs, c'est trop cher. Par contre, l'expérience pure Android, l'appareil photo de cette qualité-là, ça se paye. Et je pense que le Pixel 3 aurait été un des meilleurs smartphones du marché si son prix avait été plus aux alentours de 650-700 €. Donc certainement, quand il va baisser, ça va devenir un choix vraiment important. Mais aujourd'hui, il est un poil trop cher pour moi. Bien sûr, Google veut se mettre en comparaison avec les iPhones, donc doit monter le prix. Ça reste moins cher que les iPhone XS et les XS Max. C'est plus au niveau des prix de l'iPhone XR. Si vous voulez faire le choix entre le XR et le Pixel 3, ça va se situer au niveau de l'OS. Personnellement, ma préférence va vers Android. J'ai utilisé iOS jusqu'à l'iPhone 6. J'ai utilisé pendant plus d'un mois l'iPhone XS à sa sortie pour faire le test de l'Apple Watch 4. Et maintenant, je préfère Android. Je préfère cette ouverture, mais ça, c'est un choix personnel. Ne me défoncez pas dans les commentaires. Je sais qu'il y en a qui préfèrent Apple. Je sais qu'il y en a qui préfèrent Android. Mais voilà, si on doit le comparer par contre avec des modèles sous Android, le OnePlus 6T est vraiment moins cher, il est plus de 300 € moins cher. Les Huawei Mate 20 sont à peu près au même prix, mais avec une autonomie bien meilleure. En fait, ce qui différencie ce téléphone de tous les autres, c'est sa qualité photo et l'expérience pure Android. À vous de voir si vous êtes prêt à payer ce prix-là. En tout cas, moi,
mais je suis pas prêt à payer ce prix-là. Par contre, j'ai adoré vraiment utiliser ce téléphone. Et s'il tombe vraiment à 700€, je pense que ce sera, je le choisirai au quotidien. Si je dois résumer ce Pixel 3, ce test du Pixel 3 en un seul mot, c'est simplicité. Que ce soit dans l'OS, que ce soit dans le design, la cohérence, l'appareil photo, la façon d'utiliser, il n'y a pas 15 millions de réglages. Tout est simple, tout marche. Google présente une excellente expérience. Maintenant, voilà, 859€, c'est à vous de faire le choix. C'est très difficile de faire ce test, j'ai vraiment eu du mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère que c'est pas trop confus. Je vous remercie d'avoir regardé ce test du Pixel 3 en vidéo. S'il vous a plu, interagissez dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et le pouce bleu, c'est le bonus qui fait toujours plaisir. Le prochain test, ça sera sur le Mate 20 Pro. Si vous avez des questions sur le Google Pixel 3 ou le Mate 20 Pro, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur Twitter. Et moi, je donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je pense d'ici une grosse semaine, le temps que je me fasse bien à ce Mate 20 Pro pour vous faire vraiment un retour d'expérience comme ça a été le cas aujourd'hui. À bientôt.